vont à la source du paradis, l'élixir de la transcendance. Salutations divines envers vous, chers marqueurs, chers disciples de l'école spirituelle Ambiam. Salutations divines envers vous également, à nos abonnés et à nos amis. Dans cette vidéo, je fais quelques analyses sur ce qui se passe dans le monde entier, afin que nous puissions ensemble, en tant qu'hommes spirituels, conscients, nous puissions travailler davantage pour éveiller les consciences, pour que chaque Africain, chaque personne sur la Terre, sur tous les continents, puisse vraiment faire ces analyses et ensemble prendre conscience que cela ne va pas. Ça ne va pas et nous devrions prendre une autre direction de l'élévation, une autre direction de réflexion, une autre direction de la transcendance. Avez-vous remarqué la manière dont le monde entier, les dirigeants, choisissent leur politique et leur manière de faire la politique? Et qu'il y a là, il y a quoi? Là, je t'ai fait une souris. Désolé. Donc, vous allez voir que les présidents, les dirigeants et leur gouvernement ont une manière d'agir comme si le peuple doit juste subir. Le peuple doit juste faire face à leurs émotions, excusez le terme, à leur conscience. En tant que premier responsable de l'école spirituelle Ambiam, je me dois de revenir encore sur ces analyses, sur la manière dont les gouvernants, nos chefs d'État africains et dans le monde entier dirigent l'humanité. La manière dont ils sont en train de diriger l'humanité. Et j'ai analysé personnellement que ils sont en train d'envoyer l'humanité vers ce que les pharaons appellent des risques, ou encore sous le trou béant, dans le trou béant des fosses de Marianne. Et nous devions élever notre conscience. Nous devions élever notre force, nos puissances. Hier, le Haut Conseil spirituel d'Ambiam s'est réuni pour analyser encore ce qui se passe sur Terre, parmi les enfants des hommes. Et on s'est rendu compte que la stratégie la plus importante, transmise de génération en génération par jadis Machiavel, est ancrée dans la vie de nos présidents. Et donc nous devions être unis. Si nous ne sommes pas unis au niveau spirituel, pour nous les hommes spirituels, conscients, être unis au niveau spirituel est plus important que être unis au niveau physique. Pour nous, les hommes spirituels conscients, être unis au niveau spirituel est plus important que être unis au niveau physique. Voilà pourquoi nos analyses sur la manière dont les dirigeants africains sont en train d'orienter l'Afrique n'est pas bien. Et nous devions éveiller les consciences afin que chaque individu, chaque Africain, chaque personne sur les cinq continents ait une conscience plus ouverte, tellement ouverte que l'individu commence à être dans la transcendance, à voir plus clair, afin de se rappeler que quand il fait jour,
La chose la plus importante, c'est la famille. Et donc, comme le dit dans un devis très simple dans notre école, le Makiru se réveille pour l'amour, pour la famille et pour la liberté. L'amour, la famille, la liberté. Ces trois choses, c'est un droit divin. Alors, nous demandons à ce que ceux qui veulent bien nous rejoindre. Quand il dit nous rejoindre, je parle de deux écoles. L'école spirituelle Aksharam du maître Elmancio Godson et de mon école personnelle, école spirituelle Ambiam. Rejoignez-nous spécialement, c'est une organisation spéciale du maître Elmancio Godson pour que nous puissions nous réunir autour de lui afin de travailler sur des thèmes précis, sur la transcendance, sur l'élévation des consciences, sur la prise de conscience de ce qui est important quand il fait jour. Il y a beaucoup de sous-thèmes dont le maître a déjà fait cas dans ses pages respectives, YouTube et Facebook, en l'occurrence TikTok. Et je reprends avec son autorisation pour vous dire que l'école spirituelle Ambiam se joint au maître Elmancio Godson pour que le 3 août, bien sûr c'est un samedi, le 3 août, nous puissions nous réunir autour du maître Godson pour travailler sur ces thèmes dont il a choisi avec conscience, pour éveiller davantage les consciences. Parce que on ne peut pas se dire qu'on veut être heureux si on n'est pas conscient de ce qui est très important quand le soleil se lève. Et rappelez-vous, quand le soleil se lève, les vampires se couchent. Alors, le maître Elmancio Godson a déjà donné beaucoup de précisions dans ses canaux, dans ses groupes. Et pour ceux d'entre vous qui veulent rejoindre le groupe du maître sans avoir d'opportunité, alors vous pouvez nous contacter pour avoir le contact direct du maître, c'est-à-dire je parle du groupe, et pour intégrer directement dans son groupe, parce que c'est dans son groupe que tout va se dérouler. Le groupe du maître Elmancio Godson. La participation est gratuite, mais les bonnes volontés seront les bienvenues pour faire vos dons sur le numéro personnel du maître Elmancio. Puis ces numéros vous seront présentés déjà dans son groupe. C'est une retraite spirituelle très importante pour tous les Africains. Et j'invite toute la communauté de notre école, donc j'invite tous les Makiru à nous rejoindre pour participer à cette retraite qui est très importante pour que nous puissions ensemble contenir l'Afrique dans les vibrations au niveau mondial. Il est impossible d'aider l'Afrique ni aucun pays si l'individu n'a pas une fréquence très haute. Alors, nous vous invitons à rejoindre cette retraite spirituelle qui commence dans le groupe personnel du maître Elmancio Godson le 3 août. Beaucoup de canaux sont déjà mis en place. Donc vous pouvez nous contacter au plus 228 93 14 12 78. Pour ceux qui sont au Bénin, le maître va vous donner le contact dans le groupe directement. Pour le Togo aussi, vous pouvez contacter directement le maître Elmancio Godson au 99 99 93 93. Et vous serez intégré directement dans la communauté pour la retraite qui va commencer le 3 août prochain. Ensemble, soyons concentrés sur ce qui est pur. Ensemble, soyons unis autour des écoles traditionnelles et africaines pour que nous puissions élever les consciences et se rappeler de ce qui est important quand il fait jour. Allez, au top et prenez soin de vous. Encore une fois, buvons l'élixir sacré à la source du paradis.